Bonjour et bienvenue dans Guacamole 2, où, n'ayant pas de retour audio, vous allez profiter de ce magnifique écran de titre pendant environ maintenant. Bref, Guacamole 2. On en était où? Ça fait un certain temps que j'ai pas joué. Deux jours. Et on était tombé droit en enfer avec... les poulets. Alors, on peut aller... Il me semble qu'on a été en bas et que c'était une zone secrète. Ou pas du tout, en fait. Ouais, non, on a fait cette zone-là. On a fait tout ça. Et on allait vers là-bas. Il y avait une secrétaire, je crois, ou une dame derrière un bureau. Hop. 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 Et puis, on peut planer. Car un poulet, ça peut planer. Bonjour. Bonjour. Ok. Bonjour. Monsieur Diablito. Tu viens pour la réparation du passage raccourci. What? Pourquoi pas, hein? Moi. C'est toujours un poulet. Ou vivant, du moins. La mort n'est pas toujours éternelle, à ce que je vois. Lui, dans notre monde d'origine, on l'a vu. Alors là, est-ce que c'est le même ou pas? Faut voir que l'enfer avait plus de gueule avant. Blabla. Quelqu'un transforme le terrain en patino. What? Le diable est vraiment décontracté quand même, hein. Utiliser la faille temporelle juste derrière moi. Nature ? On peut lui parler en poulet ? Ouais. Et donc en gros, le diable fait littéralement de la paperasse. Comme quoi, chacun ses passions. Bonus street. Dimension du Fight Street. Ça sent la référence, hein. Le gars, il a une belle voiture qui claque. Il se rend peut-être pas compte que... Oui, je vois. Contre la voiture. Eh oui. Désolé. Désolé. Ça m'a échappé. Je sais même pas si c'était nécessaire. Mais je l'ai fait. On est où, donc? Plus sérieusement, on est revenu... vous savez quoi? On va prendre ça. Super suplex. Donc, on est où? Ah bah ça va, on est pas loin de là où on était, en fait. On va aller chercher ce coffre. Vous voyez, je suis super bon en poulet. Et là-haut, il y a un poulet. Un autre poulet. Et je me cache des poulets Illuminati. Ah, ça va. Tout le monde pense que je perds la tête, mais je connais la vérité. Oups, c'est l'autre bouton pour changer de... dimension. Je vais voir s'il y avait un poulet mort qui se cachait aussi des Illuminati. Manifestement non. Voilà, un petit cœur. Non, un tenue de diable. Ah. Ça peut être la classe, ça. Mais arrête d'esquiver dans la... L'esquive du poulet... Ah, ça me l'a pas sauvegardé en plus. L'esquive du poulet, elle va au bout du monde, quoi. C'est pas grave. On va y arriver, on va lui reparler, blablabla, pas trop de bruit, poulet Illuminati, la vérité, blablabla, le costume. On se dépouléifie. Oula. Et on essaye de pas mourir avant le point de sauvegarde qui est à 2 mètres.
Ok, est-ce qu'on peut monter? Oui. Je suis pas sûr que je sois censé monter, mais... Manifestement non, vu que de toute façon je ne pourrais pas passer ce truc. Yaa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 
là. Ah. Ouais, ça s'enchaînait moins bien là. Non, non, oui, c'est bon. C'est la fin. Il y aurait eu les pics là, on se les mangeait. Hein. Après, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller aussi vite. Les bombes, elles ont genre 10 secondes de délai quoi. On pourrait largement. Ouais, on est revenu chez X-Tabay, je pense. Ouais, ça c'est le gros dragon qu'on tue dans le dans un des niveaux du 1. Et apparemment, il va mieux. Bonjour. Dors. Dors. Parfait. Gauche ou droite? Droite, ça revient où on a déjà été. Gauche, c'est potentiellement nouveau. Oh, une zone assez secrète. Il va se passer quoi si je fais ça? Rien, parce que je vais mourir. C'est l'autre bouton pour changer. Ok. Voilà. Ensuite. Magnifique! J'ai bien visé dans les pics. Patience. Voilà, c'est comme ça. On fait ça, comme ça, on fait ça. Hop, on se pose. Ensuite, on ressaute, on réactive le truc. Et on prend l'item. Comme s'il n'y avait aucune difficulté. Ouh, tostada. Allez, Bridget, c'est le nom de ça. Je me demande s'il va se réveiller. Mais vraiment. Ah, c'est peut-être ses enfants, en fait, tous les petits machins, là. Du mignon. Tranque. Je crois que je peux lui mettre un coup du crapaud. Il en a rien à foutre. Mais tellement. Attendez, est-ce qu'il est là dans le monde des... Ah ouais, lui, monde des morts ou des vivants. RAF, quoi. Coucou. Tu as rencontré maman. Ah, c'est une femelle. Ok. Elle est de mauvaise humeur quand on la réveille. Oui, je peux confirmer. Ok, donc là, on n'y avait pas été, mais on aurait peut-être dû y aller la dernière fois qu'on est venu. C'est pas grave. Gotcha. Ouais, ça sert de tutoriel au changement de dimension, en fait. Oh là. Paf. Nope. Paf. Et... Nahahaha. We die. C'est bon? Ouais, en fait ça j'aurais peut-être dû le faire quand... la première fois qu'on est arrivé ici. Mais c'est pas grave. El Poltero. Ouh. Violent au niveau des couleurs. Bon, par contre... pourquoi est-ce qu'il y a une tête de poulet ici? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose là-dedans? C'est bien parce qu'elle a quand même un portrait de... Kalaka qui s'est fait déboîter. Non, je pense que ici il n'y a rien. Par contre, je vois... un truc du crapaud par là. Alors c'est peut-être pas la suite de l'histoire, mais... là, ça amène sûrement sur une tête de poulet. Comme je le disais. Par contre, il y a aussi un truc là-haut. Ouais, c'est probablement ce qu'on va... ouais, on va peut-être choper le machin qui permet d'utiliser les... ces plantes vertes, là. Ok, on n'a pas le double saut en poulet, on a le double... coup du poulet. Ouais, clairement, il va se passer un truc avec ces plantes vertes. Et ce sera dans pas longtemps. Le poulet est vraiment un... c'est plus un gimmick, il sert vraiment à progresser dans le jeu. C'est assez cool ce qu'ils ont fait avec. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ah, toi? Non mais oh! C'est cru où là, me taper dedans et tout?
Allez, Señor Puleto. What? Ah oui, vers le bas, c'est vrai que ça dash, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Putain, faut vraiment... J'ai essayé de faire directement le coup vers le haut, mais... Sensible, hein. On reviendra plus tard. Vous paierez. Ok, donc là, clairement... Tout le monde tombe la première fois. Courant d'air. Littéralement. Ok, donc tous ces machins font des courants d'air. Magnifique. Par contre... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a des choses à voir. Et là... Il y a la suite. C'est vachement moins compliqué que ce que je pensais. Je pensais qu'on aurait un truc du style... une projection ou quelque chose, c'est juste un courant d'air. J'ai fait une esquive là. Et là j'ai pas fait une esquive, mais j'aurais pu si j'y avais pensé. Lui aussi il a pas fait d'esquive. Ah, le poulet qui fait la projection vers le haut, c'est abusé. Ah, ça passe pas. Faut vraiment être dessus. J'ai envie de les tuer ces trucs, mais... J'aurais pas dû. Je vais quand même finir celui-là, mais... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais bon, c'est pas grave, c'est passé. Perfect. Donc nous disions ensuite, il y avait des choses, genre des gens. Pas très gentil là. Bon mais oh. Esquive. Non mais oh. C'est bon, il y a des œufs Illuminati dans le fond. Ce jeu n'a aucun respect pour lui-même. Ok, alors là ça va être un peu plus compliqué parce que en fait je peux faire ça deux fois. Faut que je le fasse. Ah! Essaye de rusher. Vous savez quoi? On va se poser là. Ça resettera le. Ça resettera que d'elle. Ouh! C'est quand même Tandax, hein. Ok. On peut limite voler en fait dans ces zones. Oui. 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 Ish. Oui. Aïe. Tous les courants d'air sont pas égaux, hein, en termes de distance. Mais n'empêche. Et là, on a accès à plein de choses, notamment ça. Le triple coffre classique de la fin du poulet. Je peux même me suicider. Hop. Bien, on a bien fait de revenir. Et je pense que sans le planage ou le double coup du poulet, on aurait eu du mal. Cela dit, ça ne nous aide pas parce que c'était pas ce qu'on voulait faire. Mais je vois ici un truc jaune. Et c'est donc là qu'on va aller. Hop, hop, hop. Wish, wish. Allez, montez-moi des ennemis que je me défoule. Bon, d'accord, il n'y a personne, c'est bon. Bah, on va juste continuer alors. C'était pas ça que je voulais faire. C'était ça. Ouch. C'était pas très... Pas très héroïque. Mais ça... What? Non, 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 le jeu, sérieusement. Là, j'étais bien, là, tout à l'heure.
Est-ce que c'est un secret ou pas ça? Ouais, je pense. Pico de Gaio, dimension pénible. What? Peux-tu aider notre petite ville? Une silhouette a été vue en train d'escalader la montagne sacrée. Une sorte de bête un peu lourdaude. D'anciens doivent nous en vouloir, créature a pas disparu. Notre ville est perdue, à moins que quelqu'un nous aide. Si tu... Alors, tu sais, je sais que ça veut... Tu veux... Oh. Tu ne veux pas que je ne répète pas tout? Oui. Non, mais j'ai dit oui, ça veut dire... La dimension chiante, on avait dit. Non. Donc tu ne veux pas que je ne répète pas ou tu veux? Je ne veux pas qu'il ne répète pas. Si je dis non, ça veut dire que je veux qu'il ne répète pas. Et du coup, j'ai l'impression que tu veux vraiment que je te répète tout. Voilà, hein, parce que nuit et on, je sais pas comment ça marche. Est-ce que ce sera de la fin, Nania? Ouh, elle a l'air d'être sous acide, celle-là. Ok, y a pas de dimension des morts ici, tout va bien. J'aurais bien aimé un point de sauvegarde, par contre, mais c'est pas grave. On va tuer ça. What? Coup fringant. C'est un RPG. Aïe. C'est un RPG. Cet épisode sera peut-être un peu plus long que ce que je m'attendais. Voilà. Victory! J'ai obtenu des points d'expérience. Climat Express amélioré. 2 sombreros mystérieux, 4 antidotes. Je regardais si j'avais pas un inventaire à la con. Non, ça va. Oh, un nouveau combat! Combat de boss! Ok, bah un coup fringant, hein. Qui chope tout le monde à chaque fois, donc... Aïe. Est-ce que je peux esquiver? Aïe. Bon, je peux rien faire du tout. Bah, coup fringant qui va tuer les deux autour. Et celui du... qui reste, je vais lui mettre une patate normale type coup de boule dans la figure. Ça fera pas de mal. Tu as obtenu 130 points d'expérience, tu gagnes du charisme. Expertise du menu, antidote. D'ailleurs, parce que j'ai pas d'inventaire, alors c'est sympa de me donner tout ça, mais... En fait, non, c'est pas sympa. Ouh, ils sont chiants, eux. Heureusement que c'est un combo RPG. Ok, coup fringant. Tout le monde s'en prend une. Aïe. Aïe, je peux rien faire en même temps. Coup fringant, tout le monde s'en prend une. En fait, tant qu'ils sont plus de 1, coup fringant, c'est une bonne idée, quoi. Par contre, ils vont peut-être me tuer, ces enfoirés. Voilà. Lui, il se prendra un coup de boule ensuite et tout ira bien. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, coup de boule! Et ça me redonne toute ma vie! En plus. Patience augmentée. Non, pas patience, non. Champion. what? C'est pas un ennemi du 1, ça? Mais si. T'es pas très causant, toi. Mmh.
Vous allez déclencher une éruption, bande de sacs. Attends, où est notre bande de squelettos? Bon, bah ok, bah, vous allez mourir. Hein. Bah ils sont trois, donc... Je vais peut-être avoir besoin des soins sur cette partie-là. Mais ça m'énerve de pas pouvoir esquiver un peu ou quelque chose. C'est dommage, il y aurait moyen de faire un truc plus cool. Allez, on tue les deux lanceurs. Aïe. J'ai mal. Oui, aïe aïe. 70, ouais, le prochain il est mort. Prochain coup. Sauf qu'il va sûrement se diviser en plein de petits du coup. Personne ne comprend l'amour de la... Full life. J'ai trouvé 4 3 instruments de musique cassés, un gros poncho. Un trésor véritable. Littéralement. Hop. Va jeter un œil à mon music cloud. Non. Je me demande si j'aurais pu le faire en poulet. Ils sont pas contents que ce soit calme. Allez vous faire voir. Ah, je pense pas que je puisse le refaire. Il est toujours là l'autre, vous croyez? Non. Par contre... Non, c'est la fin de la map. Ça aurait été rigolo quand même qu'il y ait un secret où. Ya, 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 ya. Je me demande si je vais plus vite en faisant une début d'esquive. T'as quoi à dire toi pour ta défense? Je me souviens plus de la phrase du début donc. Ok, c'était donc un bonus. Au moins c'est clair. Ah, on recommence à plus. À plus savoir jouer. Et voilà. Point de sauvegarde, s'il vous plaît. Il est où? À droite, il y en a un. Parce que là, on a un peu dépassé des marges de sécurité de la partie. Mais j'espère qu'on a fini la partie RPG du jeu. Et qu'on va entrer dans la partie action bientôt. Allez, zou.